Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Formula Kart Special Edition avec ce thème magnifique sur PlayStation. Alors là-bas, je voulais faire la version Saturn, mais j'ai eu pas mal de problèmes. Par contre, je peux déjà vous dire un truc, la version Saturn charge beaucoup plus vite. Voilà, parce que vous voulez de cette information. Mais c'est le cas, donc voilà, privilégiez la version Saturn si vous voulez avoir des temps de chargement un peu plus rapide. Par contre, au niveau graphisme, ça sera plutôt pour la même chose. Et la version PlayStation est un peu plus fluide, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sauf quand les jeux sont vraiment optimisés pour la console de CU. Allez, c'est parti. On a un menu course, deux joueurs, on peut charger, on va voir les options. Je découvre ce jeu en même temps que vous, comme d'habitude. Enfin, que vous, en tout cas, moi je le découvre en même temps. On a trois modes de difficulté, normal, easy, hard. Je vais prendre easy pour début, je sais pas ce que ça va donner. On va aller jusqu'à 40 tours, après j'imagine que c'est des circuits de karting, donc c'est des circuits pas forcément super longs quoi. Après est-ce que j'ai baissé un peu le son par contre. Je pense que le son va être trop fort, voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Bref, tilt, dommage ou quoi? Ah, c'est pas mal ça, on l'activera après. Tilt, je sais pas ce que c'est. Les records, normal configuration. Alors déjà, je peux vous dire une seule truc. J'adore la musique. Alors, pour la configuration de base, on accélère avec la croix, on freinait carré. On sélectionne et on utilise avec les gâchettes. On change la vue avec triangle. Ok, alors je sais pas ce que c'est, qu'est-ce qui sous-entend sélectionner, utiliser. On va voir ce que c'est. On fait back. On peut changer notre nom, je pense. Ouais, nickel. Bijoux, je m'appelle Player 1. Mais pas ce soir. Bon, par contre, le bruit des options n'est pas super. Allez, on va faire OK. Non. Je pense que pour... je pense que c'est pour faire back ou faire OK. Je reviens en arrière, est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ça marche, nickel. Allez, c'est parti, on va donc lancer le jeu. Alors apparemment, il y a un Michelin Master ou un quelque chose de Paris Edition, ou je sais plus comment s'appelait la course de karting qu'il y avait à l'époque, c'est pas les Masters, qui se déroulait à Paris, où il y avait des courses entre plein de pilotes de Formule 1 et même autres catégories. Il se fightait en karting. Il y a une édition apparemment pour ce jeu. Alors, on a plusieurs modes de jeu. Le mode d'entraînement, single race, championship, arcade. On va faire le mode practice parce que je veux savoir si le jeu est maniable ou pas. Alors, on a le circuit d'Allemagne, de France, d'Australie, de Hollande, donc de Pays-Bas, d'Angleterre, le Brésil. Tu m'as l'air assez compliqué celui-là. Le Japon. Même l'Egypte, ça c'est rare d'avoir un circuit égyptien dans un jeu de sport auto. Bah écoutez, je vous propose que l'on commence par... Alors je sais pas si ça sera dans l'ordre si on fait une course, donc on va plutôt s'entraîner sur un circuit différent. On va prendre l'Australie. Et on a plusieurs équipes.
Donc on a l'équipe Cranky, l'équipe Noisy Engine, l'équipe Speed and Kart. Alors je pense pas que ce soit des vraies marques de karting, en tout cas ça me parle pas. On a celle du développeur du jeu. Karting Magazine, je pense que ça par contre c'est peut-être une vraie marque. Meltdown, Worm Braking System, Worm, pas Worm sinon ça veut dire vert. Bull Bearing, ok, et Cranky. Je sais qu'il y a une version Sega pour la Sega Saturn. Une équipe qui s'appelle Sega, voilà. Alors, on a des statistiques différentes. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond, honnêtement. Je pense qu'en bas, la troisième ligne, c'est la ligne de maniabilité. Vert, c'est l'accélération. Et je pense que rouge, ça doit être la vitesse. Donc, on va prendre un truc qui soit à peu près homogène. Genre, pas les Meltdown, quoi. Ni les Worm. Je pense qu'il doit y avoir une équipe qui est homogène. Ouais, Cranky, je pense que c'est la plus homogène. Ou Noisy. Bah, c'est parti pour Noisy. Qui veut dire bruyant, normalement. donc, du coup, c'est parti. Découvrir ce jeu ensemble. Ouais, les chargements, on est vraiment retourné à l'époque des CD-ROM. Et du coup, pas spécialement rapide. Eh, hey, c'est Bardi! Oula! Alors déjà, on commence en vue embarquée. Jusque-là, ça m'étonne pas trop. Ok. Alors, le maniement est très très rapide. Alors, il y a une petite latence pour tourner le volant. Hein. C'est assez progressif. Par contre, ça tourne très vite et ça accélère très vite. Mon dieu. Est-ce que j'ai d'autres vues? Oui, j'ai une vue extérieure. Et oui, voilà, on peut le voir ici, hein, que ça tourne énormément. Et on a que deux vues. Effectivement, le circuit est assez court. Oula, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment être très réactif. Et on peut glisser un petit peu de l'arrière si on lâche les gaz d'un coup. On va s'entraîner un petit peu sur ce tracé. Pour quelques tours, et puis après on va faire un... enfin, relancer une course, bien sûr. Pour un peu ce que cela vaut contre des IA. C'est assez marrant comme circuit parce qu'on est sur un... C'est sûr qu'on est à la fois sur de la terre, mais aussi sur un train, enfin sur des rails de train. Chemin de fer, et c'est un peu particulier quand même comme décor. Je sais pas du tout si le jeu se voulait simulation ou arcade à l'époque, mais le maniement en tout cas a l'air très très arcade. Apparemment c'est un bon tour, il est content, enfin elle est contente. Parce qu'on a droit à une speakeuse, un speaker. Speakerin, exactement. Bon, en tout cas, c'est fluide. Les graphismes, bon, très simpliste, mais on est sur 32 bits. Franchement, ça va. Pas exceptionnel, mais c'est pas moche non plus. Voilà, c'est correct. Bon, on voit assez loin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de popping. C'est plutôt bien. On voit pas trop les décors affichés au loin. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, on est sur un circuit très court, donc le... On voit pas loin non plus, trop loin. Ça aide un peu. Ouais, je finis mon tour parce qu'apparemment il faut en faire 5. Pas sûr qu'ils soient très contents de mes tours, mais... Bon, ça améliore, c'est déjà ça. Petit paf gauche-droite, attention. Alors par contre, je ressens aucune différence de grip. Que ce soit le gravier ou que ce soit le bitume. Et ça m'inquiète un peu. Mais bon. On a fait notre meilleur tour dans le dernier tour, donc on peut voir quand même qu'on s'est bien amélioré. J'étais en amélioration constante. 39, 30, 0, 30, 28.8, 28.5, 27.7. Allez, on va faire retour arrière. Et on va tester un mode course. C'est développé du coup par Manic Media Production et Telstar Electronics. Alors on revient au menu. Chaque fois, on va faire une... pourquoi pas un Sega Race. On va changer de circuit. On va prendre Hollande, tiens, par exemple. C'est un peu compliqué, mais... Petit tour à faire. On va prendre l'équipe Cranky, qui est un peu pareil que le châssis qu'on avait avant.
Alors qu'il va être un peu moins rapide, mais peut-être un peu plus maniable. On verra combien on est. Alors je suppute qu'on soit 6. Ça m'étonnerait pas. Alors le jeu est sorti en 97, hein, donc on est à la période fast de la PlayStation. Et on va partir en 8ème, donc il y a 8 kartings, c'est bien. Et je vais me taire un petit peu, on va écouter un petit peu la musique et le jeu, et c'est parti. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait des dégâts sur le karting, enfin, on peut que rebondir sur le décor. Par contre l'IA, mine de rien, elle est assez assez sympa, dans le sens où bah, elle va un peu alterner ses trajectoires pour nous redépasser à chaque fois. C'est bien. Et en plus on sent pas trop le choc sur les adversaires, et ça c'est bien parce que je pense que déjà que ça, je joue comme un flipper, si les IA nous envoyaient à chaque fois dans le décor avec, ça serait encore pire. Et on a fini du coup quatrième, je n'ai pas réussi à le dépasser. Il y a un virage où on était un peu plus rapide, mais il nous reprenait instantanément à leur accélération. Du coup, bon, on n'a pas réussi. Le HUD est plutôt simpliste, hein. Je vois pas comment on pourrait faire mieux, de toute façon. Et il y a assez d'informations pour comprendre ce qui se passe durant la course. Et on voit du coup notre résultat. Ok, donc on peut rentrer aux initiales. Ça va être facile, hein. Voilà. J'ai fait un tour en 23-11. Et je vous propose, à la limite, pourquoi pas, de faire un championnat. Alors, il y a le meilleur tour en course. Ah, d'accord. Donc, en fait, je pense que le système de points, c'est 10. 17, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et si on fait le meilleur tour, on a un petit point en plus, d'où le 11 points de Jason de Sico, je sais pas comment on prend ça. Don Stewart, Paul McCracken, moi-même, Joe Cavalla, Simon Lacey, Mike Beaton et Robert Keating. Je pense que ce ne sont pas des vrais pilotes, bien sûr. Je pense pas qu'il y ait vraiment de licence dans le jeu. Mais en tout cas, pour une première course, on s'en sort plutôt bien. Après, le réalisme n'y est absolument pas, parce qu'on rebondit, je vous l'ai dit, sur un peu tout le décor, et les chocs ne sont pas impactants. Par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit pas impactant, vu que les circuits sont très très étroits. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour que le jeu soit jouable. On va faire un championnat. Allez, c'est parti. Je vais prendre une équipe qui est un peu plus rapide quand même. Ouais, non, on peut se calmer. On va. Alors, oui, ils accélèrent pas super bien. Mais ils ont une bonne vitesse, ils ont un bon grip. Alors, on va prendre Meltdown. Je pense que c'est pas une bonne idée, mais on va quand même tenter. Et on va voir ce que ça donne le mode championnat. J'ai une terre aussi. Alors par contre, je me rends compte, il glisse beaucoup plus ce karting
C'est vraiment pas un cartel pour les débutants, je pense. Et à chaque fois, je repars la position dans ce virage. Parce que j'ai pas, bah, j'ai pas de grip. Je mens. Oh, on est sorti. On s'est sorti complètement du décor. Elle me demande ce que je suis en train de faire. Allez, on va redescendre. On va tenter ici. Ouais, j'ai une bonne vitesse de pointe. Ça, par contre, ça c'est le gros avantage. Par contre, pour rattraper ça, ça va être compliqué. Ah, ça glisse, hein. Ça glisse. Alors, on me disait, il y avait un gauche-droite, je sais pas à quoi il sert. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça influe grand-chose si j'appuie sur L ou R. Pour remonter, ça va être compliqué. J'ai vraiment du mal. Il faut redoser un peu l'accélération, pour pas prendre certains virages trop vite. On est déjà dans le dernier tour et je me suis raté complètement à nouveau. J'ai pris un tour. En l'espace de 10 secondes, j'ai perdu un tour et voilà, je suis dernier. Aïe aïe aïe. On a fini dernier. J'ai même pas le temps de finir mon tour apparemment. Alors oui, on avait les touches L et R, je sais pas à quoi ça sert. Vraiment aucune idée. Mais je pense qu'il doit y avoir un petit... Il doit y avoir une technique, quelque chose. Parce que là, le kart est vraiment difficile à manier. Donc effectivement, on pourrait avoir un peu de simu. Enfin, une légère simulation dans ce jeu. Et pour cela, il faut prendre un kart difficile à piloter. 0 points, du coup, pour la première course. On va voir, du coup, la prochaine course. Ça peut donner. Bon, il y a d'avoir quand même... On va dire un nombre de circuits sympa. J'imagine qu'il y a d'autres circuits qu'on va débloquer à la fin. Après, est-ce que la durée de vie du jeu est élevée? Je sais pas. Je précise quand même qu'on est en easy. On n'est même pas au moyen ni en difficile. Donc je vous laisse imaginer niveau difficulté en difficulté maximum. Alors on va tapoter un peu pour pas trop glisser. On va être calme, on va être doux sur l'accélérateur, pas trop dans le virage. Par contre, j'ai pas une relance très bonne, hein, vous vous rendez compte. Je ne vois même pas ce qui se passe devant moi, tellement qu'on est beaucoup. Par contre, c'est vrai que c'est très fluide. Hein. On a beau avoir beaucoup de concurrents, les concurrents sont assez détaillés, mine de rien. En général, c'est souvent notre karting qui est bien fait, et il y a un peu moins pour préserver un peu les ressources. Mais là, ça va, hein, en vrai. Je trouve que les deux sont bien réalisés. Je le redis, c'est très propre en termes de graphisme, hein. C'est quand même très contrasté, certes, mais c'est tout joli, quoi. Ça va, ça passe. Allez, le quatrième, je me fais rentrer dedans par tout le monde. J'ai vraiment du mal à ce virage. Oh, on va aller à fond, on va aller à fond. Ah non, je prends le mur. Si même la commentatrice elle s'y met. Alors on va essayer de se calmer un peu. Et je me prends à chaque fois les murs partout. Moi, je me loupe, je sais que ça redescend, mais je me foire à chaque fois. Par contre, no way, je ne finirai pas 7ème. 4ème, ça va. Pas trop mal. Ça en est mieux sorti. Par contre, je me demande à quel moment ce genre de circuit peut exister. Hein. C'est des décors totalement improbables. J'ai pas vu un seul circuit de karting pour le moment qui ressemble à un vrai circuit de karting. Et du coup, nos premiers points, alors on n'a pas fait un temps énorme, 22-16 quand même. Ouais, enfin, on est quand même avant-dernier en termes de gros noms. Et du coup, au niveau du classement, on est 5e. Ok. On va passer à la troisième course.
Quand je fais start, non, il n'y a pas d'option. Ok. Ah, le circuit, on l'a fait tout à l'heure, c'est le moment d'en profiter. On rebondit sur tous les IA. Toutes les IA. Alors je sais pas s'il y a des bonus, c'est-à-dire qu'on peut débloquer des kartings ou pas, j'en ai aucune idée. Complètement la rue. J'ai vraiment du mal à anticiper hein, les virages trop rapides d'un coup là. Et du coup, je perds du temps. Je me dis Great Lap, mais pourtant, très très lent par rapport à eux. Comme je le redis, on est en facile, donc ça veut dire que là, je suis vraiment vraiment mauvais. C'est marrant, il affiche 7ème, des fois 8ème, alors qu'on n'a pas doublé. C'est assez étonnant. Alors peut-être que si on fait 40 tours ou 30 tours, il y a peut-être des arrêts au stand, peut-être la gestion des gommes, ça pourrait être intéressant. J'en doute pour le moment, mais je me dis que s'il y a une entrée des stands, ça doit peut-être servir à quelque chose. Ouais, non, à gérer c'est compliqué. J'ai vraiment du mal à gérer tous les virages. Les musiques sont assez punchy quand même. Très particulière. Je prends un tour. Je vois vraiment pas à quel moment je vais arriver à faire quoi que ce soit avec ce karting. J'aurais dû prendre un karting plus simple. Là, le karting est vraiment trop compliqué à manier. Tous les virages, je suis plus lent parce que j'ai du mal à les prendre. Et en plus, j'ai pas forcément une bonne accélération, donc ça aide pas trop. Je prends tous les murs. Bon, fini dernier. Et oui, il y a des stands sur le côté, alors je me dis que peut-être on peut y rentrer. On va faire une dernière petite course. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jeu, évidemment pas de points, vous en doutez, et on est du coup dernier au championnat. Pour un début, ça m'étonne pas trop, il faut de l'entraînement je pense. Il faut surtout apprendre à doser, et là ça va être compliqué avec ce karting. Je sais pas quel est ce tracé. Bon, j'ai quand même l'impression de l'avoir fait, mais... Ah si, on l'a déjà fait. On l'avait fait en course simple. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Bon, on a vraiment cherché la difficulté avec ce karting. Complètement. Chaque fois, à aucun moment j'ai de facilité à prendre un virage, donc je repars du temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si j'essaie de bien le prendre, rien n'y fait. Dans un circuit avec une ligne droite, comme ça moi j'aurais mes chances. Quant à fond. Ah, avec un miracle on pourrait peut-être marquer un point ou deux. Mais il faut vraiment que je me rate pas à tous les.
L'avantage c'est que l'arrivée elle est ici. Donc ça veut dire que si je gère bien le dernier secteur, on peut s'en sortir. Allez, à l'intérieur ici. C'est bon. On s'est pris le mur, mais on finit 5ème. Aïe, aïe, aïe. Pour 3 dixièmes de seconde, on manque des points. On n'aura pas le meilleur temps autour, ça c'est une certitude. 23 à 9. On peut sauvegarder, j'ai pas fait attention. Peut-être qu'on peut reprendre le championnat en cours. Et pour la CR, du coup, on est 6ème au championnat. On va s'arrêter ici. De toute façon, je vais pas vous montrer tout le jeu, bien sûr. Donc, c'était Formula Cars sur PlayStation. Un jeu qui m'a l'air quand même très difficile. Alors, je vous conseille de prendre un karting débutant, donc un karting qui se manie bien, parce que sinon, là, je pense que vous allez pas y arriver. Enfin, en tout cas, pas au début. Et je pense que ces kartings-là ont besoin d'une grosse maîtrise en amont pour pouvoir et maîtriser surtout les circuits pour pouvoir faire de bons résultats. Faire back. Ah, je suis obligé de faire ça. Soit je fais continue, je suis assez safe, soit je fais back, mais je peux pas. Je peux pas aller plus loin. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Ciao tout le monde. You